Beaucoup de personnes pensent que, en fait, on sait déjà au moment du millésime, au moment de la cueillette et de la vinification, que l'on a affaire à un millésime. Ma philosophie, ma posture a toujours été d'être assez prudent et au moment de cette vendange et de cette vinification, de mettre toute mon énergie, toute ma concentration et mes efforts à le faire. 1990, ce n'était pas un mauvais millésime pour démarrer. J'ai eu cette chance-là. Le millésime 1990 de Dom Pérignon Rosé et Enothèque est digne de ressortir pour une deuxième fois. Il est sorti à la fin des années 90 et donc 10 ans plus tard, il nous propose une nouvelle expérience. J'ai cette capacité à savoir quand ils seront dignes de ressortir pour une nouvelle expérience, une nouvelle expression, plus complexe, plus complète, plus mature et en même temps, je dirais paradoxalement éclatante et suffisamment jeune. C'est une première historique. C'est vraiment, je dirais, l'histoire de Dom Pérignon en marche.